Stéphanie Yancy Héroux-Brazo vient à la conférence Dialogue pour la vie depuis des années comme bénévole et plus récemment comme danseuse, trouvant la guérison puisque le suicide touche sa communauté au lac Simon. Ici, c'est tout le temps un peu des rappels, puis il y a aussi beaucoup de travail de guérison. Justement, je pense que les powwows, c'est aussi un moment où est-ce qu'on peut évacuer, qu'est-ce qu'on a besoin d'évacuer. Durant les ateliers, les conférenciers font la promotion de la vie. Yancy Héroux-Brazo a appris l'importance de sa culture. Je pense que c'est vraiment de retourner à nos sources, qui qu'on est, d'être fier de qui qu'on est, de retourner vers nos manières de vivre qui ont été beaucoup effacées. Marc Lafontaine, un Inuit de Kwanichit, a animé un atelier et un cercle de partage pour les hommes. Mon défi, c'est habituer au monde, aux hommes surtout, à verbaliser. Parce qu'un homme, ça pleure pas, mais c'est pas vrai. Un homme, c'est fort. Ça parle pas, ça... Mais il faut verbaliser. Pour lui, les activités traditionnelles aident les hommes à s'ouvrir. Mais quand ils sont dans le bois, là, c'est d'autres hommes, c'est merveilleux. Ils sont plus positifs, plus joyeux, ça parle plus, fait des jokes. Ça change. Le milieu, tu changes les milieux, tu changes la mentalité, le mode de vie d'un homme. Un Anishinaabe queer, Connor Lafortune, a partagé une boîte à outils qu'il a créée avec d'autres jeunes autochtones. Pour moi, les expériences les plus frappantes, c'est lorsque les jeunes nous viennent avec la boîte à outils, et souvent en larmes, ils nous disent « je me sens finalement compris ». Cette boîte à outils donne des conseils aux travailleurs en communauté. Comment encourager les jeunes autochtones à se valoriser? On a tous besoin de promouvoir nos vies, de tourner vers un aspect de basé sur les forces, basé sur qu'est-ce qu'on a dans notre vie, de tourner les narrations qu'on se fait dans nos têtes, qu'on est juste de base, de déficit. En plus des ateliers, des guérisseurs et des aînés ont mené des cérémonies. Vivienne Snowboy a offert une cérémonie de bain de sel. I've grew up in ceremony and I've seen my father as when I was a little girl, watching him help people and watching him, create a safe space for them to heal. And I've seen some amazing transformations amongst our people, especially the ones that, would think you would never see change. Elle a aussi mené un atelier sur son expérience soutenant les Autochtones, naviguant dans le système juridique. The justice system really needs to take a step back again, and we need our own restorative justice because that's what helps our people, and I've seen it help our people because then people are healing. La prochaine conférence Dialogue pour la vie aura lieu en mars 2024. Emilia Fournier, Nouvelle Nationale d'Apitéane, Montréal.